Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, bonjour. Nous avons le grand plaisir d'accueillir dans l'entretien, d'être accueillis par Sidi Jamal Ahmed Bennaï. Sidi Ahmed Jamal Bennaï, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir, Fidark. C'est un vrai plaisir. Avec Saha. Pas de quoi. Et nous sommes avec Sidi Jamal Ahmed Bennaï parce que nous sommes dans la semaine du 11 décembre et toute l'histoire du 11 décembre 1960 n'est pas connue. Il y a des acteurs sur lesquels on n'a pas fait suffisamment la lumière. C'est vrai que le peuple est le héros de cette grande manifestation, mais derrière le peuple, il y avait une organisation et nous allons aujourd'hui parler de cette organisation. On a la possibilité, moi-même, j'ai découvert cet épisode des préparatifs et de l'encadrement des manifestations du 11 décembre 1960 en lisant le livre « Le sang de la liberté, la vie complètement rocambolesque, complètement héroïque » de Sidi Jamal, l'homme du Sahel, l'homme qui a organisé le Sahel et qui a permis la reconquête de la capitale en 1960 avec son point d'orgue, les manifestations du 11 décembre, un épisode qui n'est pas suffisamment connu. Mémoire d'un combattant de l'ALN. Sidi Jamal, quand vous êtes revenu à l'ASEMA, on va dire l'automne 1960, septembre, كنت خليت التنظيم يا في اون اورغانيزاسيون خليتها كي رحت لا ريجون 3 لتمزقيده اون 59 كي عاود رجعت لا سيتياسيون تي با لا ميم بيان سور فلي ريكونتاكتي لي زيليمون لي نعرفهم لي اي جي ريكونستيتوي ان نويو امبورطون تاع لورغانيزاسيون برخادم ساحل كامل ساحل كامل ساحل كامل un peu de la mitige parce qu'on avait pied sur la région تاع شبلي باب علي. On peut rappeler un petit peu le contexte. Est-ce que le FLN ALN, on peut dire il a après la bataille d'Alger, il a perdu Alger. C'était difficile de faire des opérations en Alger. Ah, on oui. Le dit pas assez. Ah, ils ont démantelé l'organisation تاع par la zone autonome. Par la zone autonome. Ils l'ont complètement démantelé. On avait des cellules. On avait la zone 1. Je me disais, on avait des cellules. Et les gens. Mais c'était difficile. Il y avait des militants qui étaient dévoués, qui cherchaient eux-mêmes pour verser leurs cotisations, chercher le contact avec l'ALN. Ça avait continué jusqu'à l'année 60. Alors, on va rester un petit moment sur l'année 58 et l'année jusqu'à février 59, parce qu'on va voir qu'il y a un tournant en février 59. On t'a affecté dans la région où tu as fait mal. Tu as oublié de Sahel. On a oublié de Sahel ou Mitija. Ou Mitija. Bab Ali, oublié de Belhadj, la famille Bennaï. Voilà. Donc, on a le contact facile. Mais on a confiance en moi. Voilà. Donc, il y a une organisation politico-militaire qui se met en place en 58. Oui. Alors que la zone autonome, elle est en grande difficulté. Elle était en difficulté. Mais Sahel Touma, que tu t'es bien là où il a écat. Oui, sûr. L'état-major Takoum, c'est la Wilaya 4. C'est la zone 2 de la Wilaya 4. Zone 2 de la Wilaya 4. Alors que vous étiez sur les portes de la capitale. Mais vous n'aviez pas de contact avec l'organisation derrière la capitale. Non. Non, on n'a pas travaillé avec les gars de la zone autonome d'Alger, Mioussadi ou la Khorna. On a créé notre propre organisation et on a fait la pénétration. Alors, l'organisation, le but de Taha, c'était d'approvisionner le maquis. Oui. C'était surtout ça. Ouais, surtout en habillement, en argent, bien sûr, les cotisations. C'était surtout pour ça. Le but, c'était pas pour les actions, Marc. De temps en temps, une action, ça, c'était surtout pour... Est-ce qu'on peut dire, Sidi Jamal, بلي لورغانيزاسيون هذه اللي طلعتها في لا ريجون تاعك في الساحل
elle était en mesure de reprendre des attentats spectaculaires à Alger, Loukan Kimlet. Parce qu'on va voir que c'est arrêté, Loukan Kimlet. Par exemple, tu avais le projet de faire un attentat à Hedra contre Massu. Massu, oui. Est-ce qu'il y avait une possibilité de est-ce qu'il y avait suffisamment de fidaïens, d'organisation pour faire une opération? Suffisamment. On avait quand même. Pas beaucoup, mais il y avait quelques jeunes qui étaient volontaires, qui pouvaient. Faire les actions à demain. Voilà, je suis arrivé à Birmandres, le cimetière avec musulman. Sidi Yahya. Sidi Yahya. Il y avait un couple de mères qui habitait, qui ils géraient là. Et j'allais réfugier chez eux. Il y avait une bonne femme de mère, très courageuse. Et à partir de là, j'ai essayé, j'ai mobilisé deux jeunes avec une moto. Et alors, les massues, il fait régulièrement la Khofi Hedra. Et je voulais le descendre. Bon, la situation n'a pas permis. Alors, l'organisation Hadia, qui pendant, on va dire, près de deux ans, parce que quand on lit le livre, on comprend, hein, encore une fois, leçon de la liberté, mémoire d'un combattant de l'ALN. L'organisation a dit, il y a un moment où tu es affecté la région 3, Tamz Gueda. Oui. Khalid l'organisation, et il y a en février, je crois que c'est le 11 février 59, la cage principale, une des cages principales des refuges principaux TAAK que tu as monté, la famille Chaban à Sahoula, oui. Est découverte et c'est l'état-major TAAK, c'est les responsables, les Khalid Mourak, qui sont arrêtés. Ah oui. Rahat l'organisation. Et il y avait Hatem, qui était responsable au niveau de la zone 2. Et je me suis accroché avec lui, et c'est lui qui m'a muté, me sahal. Même pas 15 jours après, il s'est fait arrêter. C'est déjà l'enjeu de l'accrochage, parce que c'est un mot qui va chez l'Omar Kent. En lisant le livre, on le comprend, c'est l'hébergement, c'est les refuges. Ken Aylat, كانوا يتسبلوا كانوا يستقبلوا المجاهدين بسلاحهم يبيتوهم dans tout le réseau تاع الساحل voilà et il fallait faire attention, il y a des règles à respecter. Très attention parce que un refuge c'est pas facile de faire il faut qu'ils acceptent parce que sinon بالخوف تاعهم avec le on pouvait être dénoncé facilement et là l'erreur qu'a commis Hatem, je l'ai perdu de vue, Kamel, c'était de s'installer avec sa femme le refuge d'Ali Chaban. La famille Chaban, grande famille de patriotes, qui n'était pas soupçonnée par les Français parce qu'elle demande un bon niveau d'instruction. Oui. Bah, je confirme. Oui. Bentum Kantrdem Dactylo, la banque. Prenait le bus tous les matins avec son père, Rami Chaban. Donc, elle n'était pas soupçonnée du tout. C'était comme une Française. Ça nous permettait de rentrer et sortir sans problème. Mais on faisait très attention à la. Dans le cas, Donc, il y a un autre le réseau, les refuges, ou de l'Akhar Kamel. Ah oui, parce qu'ils ont arrêté les principaux responsables. Quand on a de la famille Rabash, Rabash et Koulou, Braham Rabbi Yarhamou, on avait recruté, il voulait monter au maquis, on avait recruté au Khad sur place, au Sahoula, oui, ce qu'on fait au Sahoula. Et puis, quand j'ai été muté, la région 3, là, مزغيدا je l'ai appelé قلت له شوف خاطر يسكن تما قلت له راك الدور هنا راه خصنا ما تروحش ترفيجي في داركم عند مرتك بايلا في الكونترير
حتى سيركلوها العسكر في دارو عامر طول الاخر مسكين هو كان الله يبارك ضرب واحد هذوك تاع لا باتريوك سيتي تي غارد موبيل وكانوا عطاه واسمو وهرب والميطرايات تاعو كانت فوق البونك هكذا تاع هرب راح لجهة القنطرة هكذا تاع واسمو ضربوا العسكر بليسوه في وطاح حكموه ناتورالمون ايلون تورتوري مسكين هذيك سا سا كوتي شير لورغانيزاسيون تاع الساحل مالوغوزمون سي جمال اوت 1951 فراك في تامز قيدا Bon, on va dire l'affectation de Tams Guida, on ne va pas en parler parce que c'est. Wahda, on peut faire une émission, Alia. Parce que c'est la wilaya, c'est la Mitija Ouest. C'est. Hadja Wahdoukhra, l'Afron, le Mouzaïa, c'est une autre histoire. Exactement. C'est une autre histoire. Iji, l'Khdar Bourga, Allah Yerhmou. Allah Yerhmou. Iji, une bonne nouvelle, que tu fais Tams Guida, la décision. De la direction de la révolution, mais GPRA, de créer une zone 6 de la wilaya 4, voilà. Qui va comprendre. Rattacher à la capitale. La capitale, la zone 6. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, bien sûr. Voilà. Et donc, ils cherchent à remettre les cadres de la LN, les Arfoumle, la capitale. Intelligent, il a essayé de contacter les responsables, les Khadmouf Sahel, ou les Arfou, la Asima. C'est comme ça que j'ai rejoint la. عاود ترجعت ساهل الى الى كابيتال الوغ افون دو رونتري باسكو جي بيان لو تو لي ديتاي عاود تلاقيت سي محمد بنعامه وي بيان سور لو اللي تي انتريمير بعد لا مور تاع سي محمد بوقره اكزاكتومون على تيد لا ولايه اي لوي لا دي ايدي بريسيز سور كومون اورغانيزي لا زون اكزاكتومون Donc, vous avez briefé. Donc, le PC de la Wilaya, à l'époque, il était dans le Djibel de la Sharia. Oui, il était dans le Djibel de la Sharia. Il y a un état-major de la zone 6 qui est constitué. Hein, à ce moment-là, on a nommé Bousmaha. Est-ce qu'on peut pas dire deux mots sur Bousmaha, qui était le responsable, le premier responsable de la zone 6 Il a été désigné par Si Mohamed. Moi, j'étais dans la région 3 menées, et après, on m'a dit qu'il fallait que j'étais dans la zone 6, telle est d'arrivée sur le Sahel ou Mtija. Et on va faire la pénétration sur Alger. C'est comme ça que j'ai rejoint le Sahel une nouvelle fois. Ça va être difficile quand même, parce que dès le début, قبل ما يلحق ديسمبر 60 vous avez perdu une partie de l'état major bien sûr alors là j'ai pas compris quand même شغل نتوما تعرفوا مليح الجي il y a eu beaucoup de pertes bon il y a eu سي جعفر خالك الله يرحمه qui était responsable dit que c'était fait la pénétration تاع العاصمه il y avait Bousmaha d'ailleurs Barouagi qui était descendu Et quand même, Khali, c'était mon oncle, c'est Jafar. Et il a eu la malchance de tomber sur un. Il avait un refuge, Ibn Msous. Et la nuit, ils se dirigeaient vers Chirac. Ils sont tombés dans une embuscade. Bousmaha, il a été blessé à l'épaule. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont emmené à un refuge qui n'était pas loin. Ils sont restés dans... Ils avaient une casemate. Ils sont restés dans la casemate. Mais le lendemain, avec les chiens policiers ou la trace du sang, ils ont réussi à découvrir le refuge. Et Bousmaha, il est encore en vie, il peut vous raconter. Il a demandé à Jafar, dès qu'ils ouvrent la trappe avec, il leur tire dessus. Il est mort sur le coup, parce qu'il a été
mitraillé par le soldat de l'armée française. Et Bousmaha a été fait prisonnier. Et Bousmaha, avec. Est-ce que le projet de d'encadrer la capitale, de rentrer dans la capitale là, par la LN, à ce moment-là, est-ce que il est compromis quand même? Il y avait un sacrifice à faire, hein, parce que la capitale était importante et il fallait marquer notre présence vis-à-vis de l'opinion internationale, vis-à-vis du moral de l'armée française et le moral de nos troupes aussi. Hein. Occuper la capitale, c'était très important. Je lis dans le livre, c'est Jamel, tu dis à un moment donné, les Français, elle était au courant du projet de la LN, de la Wilaya 4, d'investir, de rentrer dans la capitale. Ah oui. Et c'est rattaché à quoi? Il y a le nom d'Ahmed Ben Chérif qui est cité. C'est l'arrestation de Théo, parce que Jamel Barra, donc il y avait des instructions. Tu as la zone 1. Djed Birgbalou. Ahmed Ben Chérif. Avec la région, les Karim Chérifs, Ahmadiyya, tu non, on était loin de ça maintenant. On n'avait pas d'informations précises de ce côté-là. Alors, après l'istishat de Bousmaha, il y a un homme... Chez Bousmaha. Arrêté, pardon. L'arrestation de Bousmaha. L'istishat de Bousmaha, c'est Jaafar Khalid. Jaafar Khalid. Et il y a un homme qui va émerger dans l'organisation, Maak, c'est Jamal, c'est Rouchaib Alam, Maarouf. C'est Zoubi. Rouchaib Alam, quand on a battu mon cabal, qu'on a arrêté aussi Zoubi. C'est le fils de Belcourt et il était responsable de la capitale. Et c'est lui qui est à l'origine des manifestations du 11 décembre. Il y avait des jeunes qui travaillaient avec lui, et puis la veille du 11 décembre, il y avait un groupe de jeunes, des enfants de Belcourt. Voilà, derrière une manifestation contre l'armée française, on va dire ils ont essayé d'incendier le Monoprix. Voilà, donc les militants, les Khadmoumas, ils ont dit aux Khalolo à Rocher. Khalolo, voilà ce qui se passe, Khalolo, mais il ne faut pas les laisser. À ce moment, on va organiser ça. Et c'est comme ça qu'il a décidé. Il leur a donné de l'argent qu'il faut acheter des tissus verts, blancs et rouges. Et vous donnez à toutes les femmes qui ont une machine à coudre, de coudre des... Vous leur donnez le modèle, de coudre un emblème. Et c'était comme ça. Il a pu faire démarrer les manifestations avec... l'emblème avec... Les éléments de l'ALN qui traitent l'Algérie, c'était pour refaire des attentats, en premier. Mais tout ce noble, ça allait prendre cette... tournure, oui. Bien sûr, ça, on ne pouvait pas savoir. Hein. Les événements se succédaient. Mais on a exploité chaque événement, on l'a exploité, on a pu... Alors le 11 décembre, ça change complètement l'atmosphère. Le manawiyat, à ce moment-là... Parce que le peuple, mesquine, avec les exactions, les Français, avec le peuple, le moral, il était à plat. Hein. Il ne pouvait pas, il torturait les gens, ils arrêtaient les jeunes, ils faisaient beaucoup d'exactions. Ou la capacité de riposte qu'a un accent. Un accent. Alors, c'est normal. Alors, Sidi Zoubir, Khadf Belcourt, après le 11 décembre. Alors, Sidi Zoubir, il était à Belcourt, chez un mandataire, Kouloulou Sil Mokhtar, Lahirhamou. Et ils étaient à la rue Lamartine. On y chafi Andoum Bhal, ou le Fouk Andoum Sedda, d'ailleurs. Sidi Zoubir se trouvait là-bas avec. Un agent de liaison, Benim Soussi Kouloulou Bouhanjoura, Mohamed Bouhanjoura.
Alors, moi, je suis descendu du Sahel. Je suis allé directement à Belcourt et je me suis renseigné, puis je suis allé chez lui, le refuge. Mais là, quand l'eau, c'est Zoubir Matapta, je suis allé à Belcourt et à Arfouk. Il faut changer de refuge. Quand je suis allé 4 jours ou là, je vais sortir de là, mais tu es à Belcourt, le Kouba. Ou tu vois ma jemaa li ram tma, il y avait une organisation en haq chez les bnounij. Non, c'était quand Tfahi, Allah yarhamou, c'est Abd Qadir Tfahi, il y avait tout un groupe. Mais là, ma tawlch ana qat ma waqala 2 ou 3 jours. On badiha kan ando un agent de liaison qui va chez Kouloulou et Rabbi. Le Mouhim, l'agent des Andes, est-ce qu'on fait le boulevard Bru Boulevard Bru, donc boulevard. Boulevard des Martyrs. Est-ce qu'on fait le boulevard des Martyrs, dont Marachat, c'est vraiment formidable. Aucun coiffeur. Il était coiffeur, il avait travaillé dans un salon de coiffure où il était lui-même propriétaire du salon. Al-Mouhim, Anaya, ou Aït Roussi Zoubir, il a pu le contacter, il est venu avec une 2 chevaux, Rani Chafi. Ou à la belle chagre, il se donne au classe. Alors, on a mitraillette, chargeur de la cour. خرجت من الرفيج وحكمت سي زوبير قلت له شوف اسمك تبدل انت وليد بكور يعرفوا كاين بياعين كاين الاخر قال لي روح جمال انت تروح وانا انا جفي شانجي دو رفيج روح لجهه اخرى وطلعت كان الحال هكذاك طلعت مع قبل الفطوره طلعت عند هذا مراد يقولوا له مراد بوشيشه مرتو شاطرة ثانية وحدة مناظرة الله يبارك أنا وجدت الفطور أنا وحدي وجدت لي فطور مسكينة وعندهم ميديا عندهم ان بوست راديو دوك تاع زمان إلكتريك يافي لي زانفورماسيون أنا يا جيتي ان تران دو مونجي رحت نسمع لي زانفورماسيون أكروشاج على ريلا مارتين 2 rebelles tués. Marche bli Zoubir Lahr. Il a été présenté par la presse comme étant le chef de la zone autonome. Et les Français ne savent pas exactement. Ça n'a rien à voir avec la zone autonome. Il n'y avait plus de zone autonome. C'est la Wilaya 4. C'était la zone 6 de la Wilaya 4. Mais quand on est aux zones autonomes, ils étaient toujours sur la zone autonome. Je la zone autonome. Alors, les problèmes qu'il y a eu justement avec éventuellement la zone autonome, c'est les cotisations. Est-ce que vous avez réussi, notamment après décembre 60, à récupérer les cotisations? Par la suite, on a installé une vraie organisation, on a décentralisé, on a nommé des responsables de secteur civil. Et on a réussi à mettre la main sur les cotisations de toute la capitale. Hadith, c'est en 61. Ah, est-ce qu'il n'y a pas eu un peu d'enthousiasme, c'est Djamal? Oui, bien sûr. Alors, tout chouïa, Tanik, hein, parce que, au niveau de la sécurité... c'est ça. Vous avez peut-être recruté aussi Mendesine, qui vous ont infiltré. C'est très possible. Parce que le deuxième bureau, c'est Kanikhdem, Tanik. Kanikhdem, Hallouf. Je voulais ton avis sur la décision de Sy Mohamed Bounama d'installer le PC de la Wilaya 4 à Habto de Khlouf Mdina, de Khlouf Blida. De Khlouf Blida. Pour moi, c'était une erreur, une grosse erreur. Ça lui a coûté la vie, parce que même l'organisation Blida a été décimée. C'est pas faisable. Il fallait qu'il reste au maquis. Mais l'intention politiquement, c'était de rapprocher la direction du peuple. Oui, c'est ça.
C'est ce qu'il voulait, Mskin. Parce que quand il chauffe la bataille d'Alger, la direction de la zone autonome, quand même, c'est ça qu'il voulait le faire, peut-être. Et Mskin est descendu suivant les informations qu'on lui donnait. Et ce n'était pas toujours juste. Il a fait des erreurs. Hein. Mais c'était audacieux d'installer. Oui. Parce qu'il y a une ville garnison. Vraiment. Mais ils ne l'ont pas bien conseillé. Il ne fallait pas qu'il reste. Moi, je n'avais pas le temps de le voir pour lui dire. Moi, je suis un ancien de la LN. Le plus grand Richard de Blida. De Blida, oui. Mais de l'âge fait, oui. La famille Naïmi est une famille patriote. Ah, c'est une famille patriote, mais... Justement, ça me permet de poser une question sur... Ce qui est intéressant, l'homme du Sahel. Juste, j'ouvre une parenthèse pour ceux qui ne connaissent pas. On a beaucoup cité le Sahel. Le Sahel, ce n'est pas le littoral. Hein. Le Sahel, c'est les collines qu'il y a entre le littoral et la Mitidja. Exactement. C'est des collines. Les Fihom, alors ça commence avec l'Ibrahim, l'Achour, Sbala, Soudania, le Malma, etc. D'ailleurs, c'était. Tel Chinois. C'est les collines qui séparent de la Mitidja. Et c'était divisé en deux zones. C'est la route nationale bin de l'Ibrahim ou Douira qui séparait les deux secteurs. Tu es responsable du secteur. Donc c'est ça. Alors la question est, c'est le militantisme filmaki haja, le militantisme en ville, en milieu urbain, enfin militantisme, oui. C'est autre chose pour quelqu'un de l'ALN, l'imchi daimen b'slahou, c'est autre chose, c'est des règles différentes. C'était très difficile, c'est pas donné à n'importe quel mujahid de rentrer b'slahou l'asima. Moi, j'osais entrer. C'était nécessaire pour encadrer. Ah, la cache. C'était nécessaire. Et ça donnait le moral, tenu que l'OCF. Le Moudjahidin Koudam Daro. Avec des actions. Bon, cette histoire va se terminer. Elle ne se termine pas, en fait. Mais 1961, c'est quand même une grande année pour la. Bien sûr. Pour la, grâce à décembre 60. C'est grâce. Alors, donc les manifestants ont donné un nouveau souffle pour remonter le moral de la population, de la moujahidine, de la filjbel. L'arrestation de Taïk, c'est à la fin de l'année 61. C'est les bleus. C'est... La fin de l'année 61. Moi, c'est un agent de liaison, maintenant. Mouled Belhadj. كنا درنا اجون ديزون يجيب البراوت للجزائر العاصمه كانوا جمعه هنا رئيس ثاني من المسؤولين إلا إيتي أغيتي بار لي بلو ومش عارف كيفاش كندخلو إي سي كوم سا كسا سي أوبيري إي شان القدر أنك سلكت في كاع لي تو كي سي باسي في لاميتيجا في ولاد بلحاج في الآخر في الأفرو في تامزكيدا لي راتيساج وكذا حكموك في البولفار اكتويل بولفار بوغارا انسيمون بولفار غاليني في وسط دوز ان كارتي شيك في وسط الجزائر يا بي غندريش لو سينيستر غندريش مع لي بلو كانوا يسناو فيك هبطوك من لافواتور هذاك جابهم هو اللي كلخني انفان لا جي بي ارا ا ليبوك il a pris une bonne décision, on peut le dire, en attribuant à la Wilaya 4 la responsabilité de reconstituer la capitale. Ah oui. C'était une bonne décision. De toute façon, il n'avait pas le choix. Parce que la région la plus proche, c'était la zone 6 de la Wilaya 4. Et ça a permis à Sidi Amal de bénéficier du capital d'Al-Khidma Lidrta entre 57 et 59. Exactement. Moi, j'ai vu un capital de travail. L'avantage, j'avais tout un réseau. Et je connaissais la population. J'étais connu
par l'ennemi, par les militants taouana. Il y a quand même beaucoup de bravoure. Je pense à la famille Boupacha, la famille Bounouniche. Il y a des familles qui... La famille Boupacha, Djamila, on peut dire que vous l'avez recrutée. Bien sûr. Je l'ai recrutée. Sidi Jamal, merci beaucoup de nous avoir fait revivre l'année 60 et les événements de décembre 60. On voulait rappeler ce fait d'histoire que ce n'est pas tout à fait un effet de hasard, qu'il y avait une décision politique. Non. Exactement. Voilà, qui a contribué. Évidemment, qu'il y a l'apartheid chap. Mais il y avait tout l'encadrement. Il y avait de la préparation. C'est grâce à cet encadrement que les choses se sont bien déroulées, qu'on a marqué avec la période. Avec de l'encadrement et des martyrs. Beaucoup de martyrs. Parce que tout l'état-major de la zone 6, quasiment, est la partie de cette décision. Atexaha, merci beaucoup. Atexaha. Pour bien s'entendre et pour bien s'écouter, rendez-vous sur M. Du grand